Yo la piraterie, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter une vidéo dans laquelle je vais t'expliquer euh, comment j'ai fait sur le compte giveaway que j'ai déjà offert. Donc je précise bien, il a déjà été offert celui-là. Euh, euh, comment j'ai fait pour atteindre la Ligue SS le plus rapidement possible. Alors donc, euh, tu vas voir, ça va être assez rapide, hein, seulement 7 jours. Et donc euh, bah, je vais t'expliquer un petit peu euh, la marche à suivre. Donc il euh, n'y aura pas les gameplay. Les gameplays je te les mettrai plus tard euh, voilà, hein, dans d'autres vidéos. Donc euh, ça sera des gameplays avec Oden exclusivement, hein, majoritairement. Un petit peu de Snake Man. Euh, mais aujourd'hui je vais t'expliquer surtout euh, la marche à suivre euh, afin d'augmenter tes personnages, d'augmenter ton compte euh, en règle générale. Allez, je te laisse profiter de cette vidéo, c'est parti. Alors la première étape ça serait tout simplement d'augmenter le tout premier personnage euh, on va dire le meilleur que tu vas avoir donc là dans ce cas là moi c'est le roger donc là je vais augmenter le roger ça aurait pas été le roger ça aurait pu être euh, le kyoshiro ou le nightmare Luffy donc ce, ça va être voilà des gros personnages donc voilà et donc il va falloir le monter en priorité donc le niveau ainsi que les compétences donc tout ce que tu vas avoir en termes de ressources d'xp de compétences et de voilà de de petites boules pour augmenter ses, ses compétences, et bien il faut tout que tu mettes direct dès le début dans un seul et même personnage. Il faut vraiment que tu fasses un focus. Une fois que ton premier personnage est level 60, tu vas ensuite faire pareil pour un second personnage cette fois-ci. Donc euh, pareil, hein, de préférence le plus fort que tu vas avoir. Donc là pour le coup je vais mettre le petit Kyoshiro parce que ça fait une bonne synergie. Un, un runner ça fait pas de mal. C'est toujours utile. Et donc, pas pareil que pour le Roger, euh, voilà, il va falloir maxer les compétences de lui en priorité. Donc là, il n'y a pas de souci. Je peux, dans la mesure où, euh, comment ça s'appelle C'est un runner bleu. Donc du coup, euh, les petites pièces de runner, j'en ai pas besoin pour le Roger. Et les pièces bleues non plus. C'est parfait. Donc voilà, il faut continuer euh, sur cette route-là, de l'évolution des personnages. Enfin, euh, de, focus des priorités, tout simplement. Ensuite, une fois que tu as monté les deux personnages, deux couleurs différentes de préférence, il va falloir t'en monter un troisième et cette fois-ci encore, il va falloir que tu cherches à, à prendre une autre couleur, tout simplement parce que tu vas avoir des missions quotidiennes, ou des missions euh, sur certains événements, où il va te falloir faire euh, des kills ou restaurer des trésors, euh, disons faire certains, euh, certains objectifs. Euh, et ça sera avec des persos rouges, des persos verts. Euh, des persos runner, euh, attaquants, donc euh, c'est important de monter certains personnages pour pouvoir faire ces missions à l'avenir. Donc là pour le coup euh, j'ai pas de très bon personnage rouge pour l'instant. Donc je vais monter la Nico Robin. Donc pour au moins pouvoir prendre les petites missions d'événement. Alors voilà à quoi ressemble un bon départ on va dire euh, à ce à ce rang de joueurs environ à peu près. Donc euh, voilà, euh, j'ai deux soutiens possibles, donc level 60, je leur ai mis des pièces tous les deux. Donc elles sont pas pour l'instant mais elles me font quand même gagner quelques petits pourcents. Donc c'est important de les mettre et de les créer. Et donc euh, voilà, les deux personnages sont level 60. J'ai quasiment fini les boules de boost euh, au niveau des compétences. Et puis bientôt je vais pouvoir attaquer voilà, les boosts de personnages. Alors une fois que tes personnages y sont personnels, vers quoi tu vas devoir te diriger Donc tu vas devoir te diriger tout simplement vers le combat challenge. Alors pourquoi le combat challenge Tout simplement parce que ça va te faire prendre des rangs de joueurs très rapidement. Et donc tu vas pouvoir mettre des soutiens supplémentaires. Donc là comme tu vois j'ai déjà pris des petites statistiques sympas. Et quelques, quelques petits likes. Et donc euh, une fois que tu as réussi à prendre quelques rangs. Donc voilà là je suis à rang 8 maintenant. Donc euh, tu as tes petits rangs. Donc tu as pu rajouter deux petits soutiens de plus. Donc, ça va te faire monter à voilà, quelques pourcents supplémentaires. Ça va pas être négligeable du tout pour euh, que ce soit beaucoup plus confortable quand tu vas aller te lancer en ligue. Et donc, après, voilà j'ai été faire quelques combats en ligue, tout simplement. Donc, j'ai monté euh, voilà un petit peu B. Voilà. Même si, euh, malheureusement, ma série de victoires euh, s'est arrêtée euh, à 12 ou 11, je sais plus, à cause de la connexion. Tiens, hop, le petit euh, Lové un tas de trésors qui descend. Et donc du coup, euh, voilà, j'ai débloqué le petit sans peur, mais malheureusement, il va falloir que j'attende un petit peu pour débloquer euh, celui à 20. Donc euh, voilà, une fois que c'est fait, euh, après, voilà, on va passer aux étapes suivantes. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait Donc tout simplement, j'ai continué à monter les petits soutiens. Donc voilà, maintenant tu vois que j'en ai un petit peu plus. Donc euh, j'ai monté en priorité les personnages les plus intéressants. Donc euh, par rapport à... À ce petit trait là là donc euh, quand tu vas dans, dans, dans cet endroit là sur le petit bonhomme et eh ben tu vas pouvoir voir voilà tous les petits traits disponibles donc plus il y en a plus c'est intéressant donc voilà j'ai monté en priorité les plus intéressants donc le petit Luffy, le NR particulièrement des verts qui va me falloir pour la suite par rapport à la team golden donc euh, même des bleus vont être intéressants par rapport au kyoshiro les rouges également maintenant qu'il y a le petit snake man 80 et le katakuri level 60 ça va être d'autant plus intéressant de le faire donc du coup voilà ce que je te disais par rapport aux pièces. Maintenant j'ai eu l'arrivée du Luffy. Donc ce qui me fait le deuxième Luffy sur ce ce qui est donc absolument parfait pour faire une pièce parfaite. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait J'ai été voilà. Euh, aller récupérer sa pièce dans le, petit, euh, dans le petit combat de 60 secondes. Comme j'ai fait pour le Nightmare Luffy. Et donc maintenant je vais pour une fois me faire euh, un, petit, un petit ensemble. Voilà avec... Euh, donc je la crée d'abord et je vais pouvoir me faire un petit ensemble assez sympathique euh, Nightmare et euh, la pièce euh, du Snakeman et donc euh, ne serait-ce qu'en termes aussi pareil de, de pièces de soutien ça va être beaucoup plus avantageux que n'importe quelle autre pièce donc euh, je vais te montrer voilà donc du coup je peux virer celui-là donc voilà ça c'était l'ancien donc du coup euh, voilà l'ancien est quand même pas mal donc celui-là euh, t'es sûr de l'avoir donc, si tu as un ah, Luffy, tu es au moins sûr de pouvoir faire celui-là. Donc, qui est pas absolument inintéressant. Mais qui est. Ah oui, non, si c'est vrai que du coup, par rapport à celui-là, il n'y a pas de génération terrible. Parce que sinon, l'avantage de celui-là, c'est que voilà, il y a la génération terrible et frère de sang. Donc, je vois qu'après. C'est vrai que j'avais. Donc, euh, oui, il manque le petit, le petit génération terrible sur celui-là. Mais sinon, donc voilà, après un ensemble pour. Euh, donc, si jamais t'as un perso, euh, lever le max. Et sinon, donc là, voilà mon ensemble actuel qui serait. Euh, le plus sympa parce que de toute façon dans tous les cas je préfère la pièce du snake man dans la zone de compétence ennemie donc me voilà dans une petite session de farm des quêtes solo donc, déjà pour les diamants, parce que voilà, hein, ça va te rapporter déjà 3 diamants à chaque quête, plus un diamant supplémentaire dans tes missions. Et surtout, ce qui va être intéressant au début, c'est voilà les, les petits bonus de première fois. Et donc, tu vas obtenir voilà des petites boules de boost rouge, verte, d'attaquants, de défenseurs, de runner, enfin bref, tout un tas de petites boules de boost que tu vas avoir beaucoup besoin au début pour commencer. Donc, euh, c'est très intéressant de le faire et c'est assez facile. Et c'est aussi un autre, euh, un autre endroit où je suis. Voilà, euh, ce que je t'expliquais, euh, gagner en, utiliser, en utilisant seulement les éléments bleus. Donc voilà, ça fait partie aussi d'une des, cho des choses où tu vas avoir besoin de, de monter un personnage vert, un personnage rouge et un bleu. Et il me semble éventuellement des attaquants, défenseurs et runners aussi euh, dans, dans ce genre de mission. Alors après une certaine session de farm, j'ai atteint un rang assez important, c'est-à-dire le rang 14. Donc pourquoi à ce rang-là Et bien tout simplement... Parce que c'est ce rang qui va pouvoir te permettre de débloquer la totalité de tes soutiens. Donc du coup c'est très important. Donc euh, voilà, hein, tu vas voir que maintenant je suis passé à 72% malgré l'absence de pièces. Euh, avec euh, deux pièces augmentées, euh, de boules de boost sur les persos. Enfin bref, aucun des personnages n'est augmenté à part le niveau de base et encore pas tous. Tu vois, donc euh, ça va très vite monter. Et quand euh, je vais pouvoir les up, ben bah, voilà, j'ai déjà prévu une petite team. Donc voilà, je vais plutôt partir sur du vert pour la Team Roger Oden, évidemment. Et donc une fois que ce sera fait, bah, j'irai euh, continuer un petit peu plus à pouvoir rush euh, la Ligue SS. Donc là, euh, comme tu peux le voir, j'ai déjà atteint le rang A. Et donc euh, c'est plutôt pas mal. Euh, donc euh, à mon avis, là, vu comme le Oden est surpuissant, je ne devrais pas mettre trop longtemps avant d'atteindre la Ligue SS. Il y a même des potentielles chances que ça se fasse même avant le level 80 d'un des deux. Éventuellement, avec un petit peu d'espoir. Et donc un autre point important donc, euh, du farm tout simplement, ça va être l'XP. Et l'XP, bah, au début, tu vas un peu galérer à en avoir. Alors tu vas vite en avoir besoin. Et un excellent moyen d'en obtenir, c'est l'entraînement. A chaque fois que tu vas finir ces petites quêtes, au lieu d'obtenir 3 gemmes, cette fois-ci, tu vas obtenir 2500 XP. Et tu vas obtenir un diamant la première fois que tu vas passer ce combat. La première fois que tu vas gagner. Donc euh, ça fait un petit peu moins de diamants, mais ça fait pas mal d'experts à récupérer. Donc c'est plutôt intéressant euh, afin de monter rapidement euh, les soutiens, tout simplement. Et donc là, comme tu peux voir, euh, donc maintenant euh, j'ai décidé de, de partir vraiment sur euh, une team de runner. Ah bah tiens, c'est parfait, je n'avais pas vu, mais je l'atteins déjà. Donc c'est parfait. Et donc euh, bah, comme euh, je t'avais expliqué par rapport euh, au aux effets, euh, voilà, hein. là, par rapport au Dane, comme je mets une pression énorme, je capture énormément de trésors, euh, là, je vais pouvoir permettre aux ennemis de leur, perdre en... de leur faire perdre encore plus de temps euh, quand ils vont capturer un trésor, ça serait... et j'arrive déjà à l'atteindre au bout d'une semaine, donc euh, c'est très facile, et donc pour ce faire, bah, c'est simple, hein. Voilà, hein. j'ai privilégié des petits soutiens, type euh, le Hermep, ou euh, l'Anami, autrement dit des petits personnages de 3 étoiles, et que j'ai monté et voilà histoire de en, de monter voilà euh, l'effet fonceur dans un premier temps ce qui va être aussi avantageux par rapport à, au boost vert aussi j'ai choisi des verts hein, évidemment donc euh, par, pour que ça maximise euh, le pourcentage de bonus que tu vas obtenir mais surtout euh, au fur et à mesure euh, tu vas pas pouvoir euh, faire euh, une team avec de gros pourcentages, par exemple avec euh, des personnages typiques que tu vas avoir gagné dans les tirages, voilà, euh, tu prendrais une méta classique, euh, tu vas faire que des petits personnages, et donc du coup, au bout du compte, tu vas avoir très peu de boosts, regarde, là tu vois, j'ai 72%, et euh, donc tous les personnages sont up, à part le Kinemon, qui est déjà level 85, et donc là, regarde, là il n'y a pas de Kinemon, je suis déjà à 73%, et ils sont quasiment pas up et ils ont pas de boule de boost toujours pas de trait pas de enfin bref pas de rien et ils n'ont même pas leur niveau max donc du coup ça va permettre de vite monter euh, très haut en termes de... de de bonus et donc voilà après une fois que euh, tu as réussi à avoir un maximum d'XP donc tu ces petits personnages et euh, bah après évidemment euh, un des petits euh, un, une des petites astuces les plus simples pour obtenir beaucoup d'XP aussi et que je fais tous les jours donc euh, en, généralement aussi c'est avantageux de le faire quand tu démarres. Donc euh, c'est voilà, tu vas dans le petit rock et tu prends euh, les boules d'XP à 500 pour 10 euh, points de combat. Et celles à 500 pour 1000, donc elles sont un petit peu moins intéressantes, mais il faut les prendre ainsi que les pièces bounty parce que tu vas en avoir énormément besoin au début. Et donc là j'ai commencé comme tu peux voir aussi à stacker euh, les petits personnages 4 parce que ça, ça va essayer de faire un petit bonus d'XP. Donc euh, à chaque fois qu'ils vont être débloqués, tu vas obtenir 3000, euh, 3000 XP. Donc euh, quand ils vont être tous débloqués, donc euh, au bout de 5 jours de pas mal de farm, donc là, ça va, il y a l'avantage d'avoir les points de combat en ce moment, donc c'est assez rapide. Et eh bien tu vas faire un sacré bonus d'XP d'un coup, ça va te faire, euh, je sais pas, 15 000, 20 000 XP. Donc c'est assez rapide. Il y en a un petit peu aussi sur l'événement en ce moment, donc tu peux en obtenir sur les événements aussi de temps en temps, ce genre de choses. Et pareil pour les berries, donc les berries, voilà, c'est intéressant de les obtenir ici, parce que bon, bah, les, les berries, ça va te permettre d'augmenter... Euh, euh, les pièces bounty plutôt ça va te permettre d'augmenter euh, tes, euh, tes compétences tes boules de boost et ça va coûter très cher donc euh, à coup de 16 000 32 000 je peux te dire que tu as intérêt à avoir beaucoup de pièces donc là je suis déjà actuellement en ligue s euh, moi, euh, donc du coup euh, j'ai réussi à atteindre ce petit niveau avec le, le ODN euh, level 60 euh, donc même pas en jouant Roger hein, parce que euh, il est trop faible pour l'instant, mais en revanche, Odin peut prendre énormément de trésors assez facilement, et donc ça m'a permis de monter assez facilement. Et là, donc ça y est, j'ai enfin atteint Fonceur, donc du coup, ce petit effet assez miraculeux que, que, enfin pour moi. Hein. Et donc, euh, je vais aller voir s'il n'y a pas moyen d'aller rusher la Ligue SS euh, le plus rapidement possible. Alors, il s'avère que je voulais te montrer vraiment comment faire pour aller jusqu'en Ligue SS, sauf que malheureusement. Euh, j'ai eu un petit contretemps, si on pourrait dire, euh, disons que j'ai atteint la ligue S-, plus, euh, S-. Moins. sauf que le problème c'est que, euh, bah, avec mon équipe, qui a que 25 000 de puissance, eh bien, euh, mes 5 ou 6 dernières games, euh, j'ai rencontré que des bots, mais vraiment que des teams de bots, exclusivement, hein. donc euh, dans mon équipe et dans l'équipe ennemie. Donc du coup c'est vraiment pas très fun à jouer, c'est extrêmement facile. Donc là je pourrais rush la Ligue SS sans aucun problème en jouant contre des bots. Mais genre euh, voilà je veux pas offrir un compte. Euh... <laughs> Et tu vas devoir euh, des euh, ou jouer contre des bots. Donc euh, c'est un peu chiant. Donc du coup euh, voilà. Euh, je vais, je vais, je vais l'offrir maintenant. Hein, tout simplement. Et donc euh, bah euh, t'inquiète, hein, il est quand même... Euh très 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 beau malgré euh, voilà un, je voulais avoir la petite ligue et c'est quand même ça aurait été plus sympa mais bon euh, disons qu'il faudra être un petit peu patient euh, pour 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 ça mais sinon tout ce que tu auras à faire tout simplement euh, après si on peut te donner un, un petit ordre des choses à faire euh, donc euh, voilà c'est de continuer absolument ce trait fonceur absolument absolument donc euh, voilà il va falloir monter gentiment euh, la perona euh, voilà les petits euh, le le paramountoir Luffy va tomber tout seul, donc ça c'est plutôt cool. Mais sinon, les autres, voilà, les augmenter en priorité. Et dès que tu vas avoir des runners verts, euh, essayer de les mettre dessus, voilà, pour obtenir un maximum, bah, en fait, euh, le maximum des traits de fonceur. Et après, tu d'adapter pour avoir euh, du grand line ou du nouveau monde, tout simplement. Et donc, il faudra que tu augmentes, voilà, ces deux médailles là en priorité. Parce que, bah, tu vois, ça va être très facile d'obtenir euh, de l'attaque ou de la défense qui vont être extrêmement importantes sur la paramountoir, enfin, sur cette pièce de Luffy. Et pareil pour celle-ci, tu vas pouvoir obtenir de la défense et de l'attaque très facilement. Donc c'est des excellentes pièces, il hein. faut absolument les monter en priorité. Voilà. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, soutiens-moi, lâche un petit commentaire, like, mais surtout, partage-moi ça si tu veux toujours plus de contenu. N'oublie pas de nous rejoindre sur le Discord si tu veux partager sur le jeu avec d'autres membres de la communauté Bounty Rush et active la cloche de notification si tu ne veux rien louper des dernières actualités. À demain à 14h, la piraterie!